7 heures de Charolais, au sud vous avez la vallée du Rhône, avec ses fruits, ses légumes, et puis à l'est vous avez les fromages de Savoie, les poulards de Bresse, la crème, le beurre de Bresse, enfin je pourrais continuer comme ça pendant un quart d'heure. Il y a vraiment un terroir fabuleux qui se traduit aujourd'hui par des produits gastronomiques. Ce sont des produits de qualité qui ont fait le succès du marché Saint-Antoine, où nombre de chefs viennent se fournir. Historiquement, le quai accueillait les marchandises en gros, arrivant partout sur la Saône. Et c'est vers 1910 qu'il s'est transformé en marché alimentaire au détail, l'un des plus réputés de la ville. Mais ce marché n'existerait pas sans la création de foires commerciales qui, à la Renaissance, allaient changer le destin de la ville. C'est Louis XI qui a... Il y avait 4 mois de foire à Lyon. Ces foires étaient vraiment les plus grandes foires de l'époque. Merci Linlan. D'ailleurs, ce fameux bikini ivoire du Rhône, avec tout en matière première, leurs épices, leurs étoffes de soie, d'or et d'argent. Et donc, les résultats de la vente, prix financier estimé, son prix était estimé, tenez-vous bien, à 425 000 euros. Ça fait vite gonfler le budget vacances.